Et c'est là qu'on se pose la question de la motivation. On va se retrouver avec des managers qui vont monter en compétences ou qui vont être nommés tout de suite, mais le temps qu'ils prennent leur place, ça va prendre du temps. Et là, on a plus de problèmes de sens. Je participe aux soirées Hippo parce que je vois un intérêt particulier à découvrir le mode de fonctionnement de différentes entreprises. Alors, ce qui m'intéresse dans ce type d'événement, c'est les thèmes qui sont exposés à chaque soirée. Par exemple, comme ce soir, un thème très intéressant qui nous permette de mettre en place ensuite, pourquoi pas, dans mon entreprise. L'homme moyen est capable d'apprendre et va même rechercher des responsabilités parce qu'il va se révéler dans les responsabilités. Il a besoin de confiance. On lui donne de la confiance. L'humain a besoin du travail pour se développer, pour s'épanouir. L'humain est motivé par le désir de se réaliser pleinement. Et il est préférable de laisser les gens s'auto-organiser. À la soirée à l'écomusée de Fourmies, pour moi, est une soirée fort intéressante. Déjà par le sujet abordé au niveau du management d'entreprise. Et ensuite, la découverte du musée, de l'écomusée. J'ignorais complètement, enfin je connaissais l'existence, mais j'ignorais complètement l'importance des pièces rares, ils sont devenus rares maintenant, au niveau du machinisme dans le tissage de la laine, en tirage. Eh ben, je ne peux que les remercier, les encourager, parce qu'il y a énormément de dynamisme qui sort d'eux, et c'est vraiment une formidable équipe. Alors les personnes qui ne connaîtraient pas les soirées Hippo, qui découvriraient par le biais de cette vidéo, je vous invite vraiment à venir à essayer au moins une fois et vous verrez dans une bonne ambiance, on aborde des termes sympathiques et on rencontre des gens vraiment sympathiques, c'est très intéressant.